En gros, JLM, c'est lui qui nous a parlé des PCF cartes, en premier. Stop, 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 stop. Là, c'est moi qui parle. Ça t'amuse de déranger ton père pour des histoires comme ça? Réponds-moi. Non, mais je veux pas les soucis. Moi, je veux juste ça se fait. Bon, Santito, je mets tout le monde parce que là, il y a un gros problème, là. Santito, la tête de ma mère, je m'excuse de t'étanger. On vient de me friquer le fort, fort, fort. Ouais. Du coup, bonne soirée à toi, Alex. Vas-y, Alban. Ouais, Santito, là, s'il te plaît, débonne-moi. Non, t'es pas débonne. Vas-y, vas-y, ouais, je suis Mathis. Attends. Tu m'as dit si je suis gentil, tu vas m'emmener. J'ai fait quoi? Mais j'ai fait quoi? Tu cries. Mais vas-y. Oh, je suis dit vas-y, ok. Trop mignon. Comment ça va me faire péter des câbles? Car j'ai juste de sortir d'un bain d'un jour, il me rebanne. Je vous écoute. Oui, je suis avec lui, ouais. Non, non, vas-y, vas-y, explique-lui parce que ça commence à m'énerver. Non, il est pas bon, sur le cerf, on essaie de jouer des personnages RP. En fait, c'est assez. Comment dire? Assez tendu. Ce qu'on voudrait dire, c'est par rapport à la faille duplication. On sait comment faire et on sait qui c'est. Mais on aimerait pas dire devant tout le monde pour la faille duplication. Voilà, en fait, on fait du RP ensemble et ouais, on l'a vu, quoi. Donc. En gros, il y avait les Yakuza, tout ça, et nous, on savait depuis peut-être 2-3 jours qu'ils faisaient des failles d'application, sauf qu'ils nous ont fait un coup de pute, et du coup, bah là, on les balance, et puis voilà, parce qu'en vrai, en RP, ils ont fait n'importe quoi. Non, mais parce que là, justement, je pense que t'as pu l'entendre, je viens de choper une personne là qui était en train de remplir un coffre. Voiture blanche. Ouais, non. Il y a deux voitures. Oui, mais il y a deux voitures. Il y a le camion. Là, il allait faire un convoi. Là, il y avait 4000 de carabines. J'ai tout dévié. Ouais, non, mais c'est ça. Ah, mais nous, ils nous ont fourni en armes. Ils fournissent tout le monde en armes dans la ville. Nous, on sait comment ils font la faille. C'est très simple. Ouais, je connais. Non, il y en a deux. Tu connais celle avec les bouteilles d'eau? Moi, personnellement, les armes comme ça tombées du camion, moi, je les jette. Moi, je fais du RP, ça fait 5 ans que j'en fais. Moi, j'ai de l'expérience, ouais. Moi, j'ai pas touché, je touche pas à ça, moi, tu vois. Ouais. Et un serveur aussi réputé que le vôtre, ça me désole. Vous inquiétez pas, on va. Non, Santito, le truc qui est vraiment pas bien, c'est qu'ils ont demandé des cartes PCF card 10€ pour des armes à des mineurs. Et il y a des mineurs qui ont donné de l'argent. Je dis ça, clairement, il y en a dans le channel. Des PCF card, parce qu'ils savent que. Non, mais Ilias, arrête, t'es là-dedans, c'est très bien. En fait, ils veulent casser votre marché et les vendre moins cher. Les packs, en fait, ouais, et c'est ça. C'est la triade, tu sais, les chinois, les hybridés. Ouais, je sais pas comment il s'appelle. Ouais, l'autre qui a parlé juste avant là. On voulait pas le balance, mais il en est quoi. Et tu vois, t'as ban un mec un jour là, je sais pas comment il s'appelle. Est-ce que tu vois c'est qui lui? En gros, est-ce que tu vois c'est qui JLM? Attends, arrêtez de parler. Et je lui dis quoi? Ouais, ça me dit un truc, JLM. Bah, c'est moi, JLM, j'ai fait quoi les mecs? Mais il a parlé, bah c'est lui, ouais. C'est lui, ouais. Alors lui, c'est sûr. Alors lui. En gros, JLM, c'est lui qui nous a parlé des PCF cards en premier. Et il avait une combine aussi pour faire la marchandise. Il vend lui. En gros, je confirme. Comme il avait rien à perdre, il a pris un ban. En fait, il a dit, il va faire tout ça, tu vois, il va foutre le bordel, c'est ce qu'il a dit. Riquet, t'as payé combien déjà, toi? Enfin, tu m'as dit... Je vends des armes et je veux avec de l'argent IRL. Tu peux me laisser parler, s'il te plaît? Tu peux le muter, ouais, merci. En fait, le souci, c'est que j'avais déjà acheté pour 20€, et je me suis fait carkill deux fois, du coup, j'ai dû repayer une fois, et en fait, je suis en train de penser que ça se trouve, c'est eux qui me tuent, pour qu'ensuite, je repaye encore une fois. Ok, écoutez. Non, on va laisser la parole à la défense. J'espère que t'as une bonne défense pour toi, JLMC. Attends, deux secondes. Laissez-moi, je peux le démuter. Bref, moi je veux une personne qui parle, qui m'explique là pendant que je remets. Vous voulez que j'explique? Il faut prendre le mec, il faut qu'on lui parle. JLMC, c'est celui-là qui fait de l'argent sur le serveur. Ouais, il faut le sujet. Ouais. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Billy, je suis directement sur le serveur. J'ai fait du RP avec les Vagos, tout ça, et donc en gros, je vous explique. Ça fait à peu près 3-4 jours qu'il y a eu une faille duplication, donc je pense que vous êtes au courant. Ils font de la faille duplication sur carabine, fusil d'assaut. Ils ont un gros camion qui est au niveau d'un pont et ils font souvent des grosses transactions vers une grosse ville. Nous, on les a suivis en off. On s'est renseigné. Ils ont aussi une voiture blanche, mais là, on a perdu la trace. En gros, JLM, il vend des armes contre des cartes PCF cards. Pourquoi PCF cards? Parce qu'il n'y a pas de trace. Moi, je me suis fait arnaquer 25€. Lui, je ne sais plus combien. Et du coup, bref, on leur a acheté. Moi, j'ai acheté pour 25€ deux carabines, un pistolet et une M4. En gros, il nous a carkill exprès pour qu'on rachète. En fait, c'est ce qu'ils font. Ils vendent à d'autres joueurs des armes dans votre dos moins cher que les starters. Pourquoi vous payez à des joueurs? Bah, apparemment, c'était JLM. Il dit que c'est lui qui gère ça. Donc, il avait l'air convaincant. Moi, ça me paraissait correct. Et comme il avait... JLM, il gère le staff. Qui gère les transactions des armes. Le souci, c'est qu'en fait, on vient de le découvrir que c'était lui-là maintenant sur Discord. Ouais.
Nous, on l'avait que qu'en en lien sur le jeu, en fait. Ouais. Et en fait, il faisait comme si c'était... Non, mais regarde, ça va être simple, clair, net, précis. Ouais, j'ai les... Allô, écoute, je te plains, Curtis, depuis hier, je suis ban, déjà, depuis hier soir. Je me suis fait déban aujourd'hui, je me suis fait reban. Écoute, hein, déjà, je suis patron d'un gang, pas du tout du gang où ils ont dit. Oui, c'est ce qu'ils nous... Non, oui, tu l'as dit, ça. Ouais. Il je suis patron de quel gang, attends, de quel gang, vas-y. Les screens, les gars. Attends, ouais, j'avoue, t'as les screens. Moi, j'ai les screens. Ouais. Vas-y, envoie les screens où il y a écrit mon prénom. JL, MC avec le pistolet et non, tout ça. On a les screens, on a tout de toute façon. Vas-y, envoie. C'est à qui j'envoie. Attends, moi, je veux voir les screens. Moi aussi, je veux voir les screens, s'il te plaît. JL, MC, calme-toi, de toute façon, t'es cerné. Si tu prends des bannes, c'est normal, tu prends des bannes. Moi, le truc, c'est que, en fait, moi, il m'a eu encore plus dans le mal. C'est que moi, il m'a fait un prélèvement automatique sur PayPal. Maintenant, toutes les semaines, il m'enlève 15 euros. Il dit, je vais faire un prélèvement automatique sur PayPal tous les semaines, je lui enlève 15 euros. 29 janvier, paiement automatique, JLM, moins 15 euros. Et tu peux faire des... Envoyez-moi tous les skins, s'il vous plaît. Envoyez-moi tous. Allô, GLM. Écoute, ouais, la tête de ma grand-mère. Hein. La tête de qui tu veux maintenant, c'est faux. Je m'en fous, attends. En plus, il a la voix de la mère. Qu'est-ce que sa grand-mère, tu me disais que t'étais dans un foyer, t'es à la masse. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Ok, si tu veux, je suis dans un foyer, toi, petite pute. Ta grand-mère, là, tu es dans un foyer, clochard. Regarde, Curtis. Arrêtez de lui répondre, s'il vous plaît. Attends, Curtis, tu m'entends? Non, mais moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Vous m'avez dit des screens. J'ai reçu que un screen. Oui, non, moi, j'ai pas les screens parce que moi, c'est des cartes PCF que j'achète au bureau de tabac à Valvé. Ok, bah, tu t'as envoyé le code où? Sur quoi? Pas en RP quand même. Si, je l'ai dit à l'oral. Il m'a dit c'est en roleplay que ça fait. Donc moi je disais le code à l'oral. Je disais très bien, en roleplay je disais que j'allais à la TM, que j'allais retirer à l'épicerie, enfin au vendeur. Attends, mais comment... T'as quel âge, frérot? J'ai 15. T'as 15 piges. Franchement, non, franchement, on a une médaille d'or du... Lui, il est fush. Impossible, il est pas fush. Je peux vous jurer sur ce que vous voulez que c'est vrai. Sur ma vie, il est fush. C'est pas possible, il est pas fush. Non, vraiment. C'est un Israélien. Là, t'es dans une sauce, mon pote. Elle est imminente. Non, mais je te jure. Non, mais frère, je sais pas. Mais tu sais que t'as demandé un remboursement, il va jamais vous rendre vos sous, les gars. C'est sûr. Je lui ai demandé par message privé, en vocal tout à l'heure. Je lui ai demandé qu'il me... redonne mon code de PCF card. Il va mais jamais te rendre. Il te redonne ton code alors qu'il l'a rentré. C'est vrai que PCF card, tu peux rentrer deux fois le code. Je sais pas. Bien, moi, il m'a tout dit en roleplay. Il m'a dit. Il est mité, frérot. Tu prends. Cette voix, elle est tu bien. Demandes 20 euros à ta mère. Il m'a fait comprendre à ma maman. Mais dans écoute, le jeu, Jim, s'il te plaît. Attends, non, mais là, c'est en train de m'énerver. Ça veut dire que je vais pas récupérer mes sous là. Je vais pas avoir mes armes. Il a dit, va prendre des sous dans le sac à ta mère. Oui, mais en gros, je t'explique. Il t'a braqué en RP pour que t'ailles prendre des sous dans le sac à ta mère. Il t'a braqué en RP. En gros, il m'a fait une reverse en roleplay. Il est trop. Oh, je te jure que c'est vrai. Elle a l'air pas bien. Oh là, mange ton mute. Non, mais. Il a braqué en RP pour prendre des sous dans le sac à sa mère. Arrêtez, frère. Oh putain, il m'a dit des mutes, je vais te passer mon père. Vas-y, passe-moi ton daron. Oh là là. Allô. Attends, déjà. Ouais, attends, j'ai passé deux secondes. Attends, deux secondes. Passe-moi ton papa, je parle avec ton père. Vas-y, tiens. Mais non, il passe son père, le pige. Moi, je vais parler avec ton père. Allô, monsieur. Ouais, j'ai pas ton âge. Quand même. Bah oui, d'accord, mais bref, d'accord, moi je vais vous expliquer un truc là avec votre fils là, c'est inadmissible. Oui. Là c'est pas le centre de loisirs ici, je sais pas, faut le mettre en colo votre fils, parce qu'il fait des arnaques sur un site là. On fait comment là, il a fait des arnaques, on a adresse et tout, IP, on fait comment là monsieur? Je fais quoi là ton fils? Quelle arnaque il a fait? Quelle arnaque? Bah là, ouais. on a votre adresse et votre IP monsieur, on fait comment là? Il a fait des arnaques de PCF card à travers des joueurs dans le jeu. Il a arnaqué des sous à des joueurs. Et c'est impossible. C'est impossible. Là c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Ah parce que c'est impossible, c'est moi qui gère le PC. Donc s'il se passe un truc avec de l'argent, je le saurai tout de suite. Non mais c'est facile de... Bah regardez, allez sur Google et écrivez PayPal s'il vous plaît. Vous savez que monsieur, votre fils, il a braqué quelqu'un dans un jeu, hein, pas en vrai, vous inquiétez pas. Non, oui, il lui a dit, va voler des sous dans le sac à ta mère. Ouais, bah après, je suis pas toujours derrière lui pour savoir ce qu'il dit derrière le micro. Hein, après, ouais, bah. Ouais, là, je suis sur PayPal après. Il y a combien d'argent dessus? Il y a rien du tout, il y a pas d'identifiant, il y a mot de passe, il y a rien du tout. On a pas de compte PayPal. Attrapez votre fils par le callback. Et ah non, mais sérieusement, j'ai pas de compte PayPal. Non, monsieur, allez sur Google et faites un contrôle H et regardez l'historique des transactions, bon. Je crois. Non, j'ai rien du tout. On va aller vous report à la section cybercriminalité de l'arnaque. Vas-y, toi, va dormir, j'ai envie de t'enlever des rôles pour que tu finisses. Mais sérieusement, j'ai rien du tout.
voyez pas si vous faites vous avez fait contrôle H, vous regardez dans un registre, PayPal ou PSF card, vous avez rien. J'ai rien du tout, sérieusement, non, je te jure, sérieusement, le seul truc PayPal que j'ai, c'est la recherche que moi j'ai juste de faire. Ok. À minuit 17. Ah, ok, et il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre recherche en non, bas. Non, sérieusement, okay, non. Ils ont la haine parce que je leur risque leur compte. Mais non, mais je sais pas, il n'y a rien du tout. Honnêtement, il y aurait, je te l'aurais dit, hein. Mais franchement, non, il n'y a rien. Ils ont la haine parce qu'ils ont dit qu'ils ont niqué mon gang. S'il vous plaît, monsieur, je vous jure. Sur la non, mais à un moment, il faut pas être naïf. Grand frère, que c'est vrai. Il a dit son grand frère. Je le jure que c'est vrai. Bah, ça doit pas être lui, hein. Je vous jure, je vous jure. Non, je pleure pas. Il y a deux autres pleurer. Non, mais là, je suis dans un rêve. S'il vous plaît, je suis dans un rêve là. Non, vraiment, c'est pas possible. Que ça me fait peur là, il y a trop de monde. Non, mais je veux pas les soucis. Moi, je veux juste que ça se règle. Ah bah, moi, franchement, honnêtement, il y aurait soucis là. Je t'aurais dit, voilà, j'aurais fait le remboursement, mais là, il y a rien. Je veux pas. J'ai pas tort. Honnêtement, il y a rien du tout dessus. Hein. Je te jure, sérieusement, il y a rien sur le PC. Billy, tu lui as fait quoi? Tu lui as fait un PayPal, une PC? À la rigueur, s'il me donne des skins ou des V-Bucks, je veux bien. Oh mon dieu, Oh mon dieu. S'il vous plaît, c'est un troll. C'est pas possible, c'est un troll. Mais frère, on va. Je rigole pas, je vous promets. Là, il y a un souci. Franchement, au moins, on parle d'argent. Franchement, je veux mon argent. Je veux pas des skins ou des conneries comme ça. Moi, je connais bien le daron, hein. Mais moi, je me fais pas racketter dans un jeu, je vais voler dans un sac à ma mère, monsieur. Bah ouais, frère. Non, j'ai pas. Poto, t'inquiète. Non, non. Ouais, bah oui, carrément. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais là, c'est là, il y a une couille quelque part. C'est soit le mec qui raconte une connerie, il y a un truc. Mais frère, il s'est fait braquer dans un. Non, c'est ça, mais. Mais frère, t'avais pas qu'à prendre 20 euros aussi, puisqu'Ina, elle a travaillé, frère. Respecte un peu ta daronne. Comment t'as pu te faire braquer en jeu et voler de l'argent à ta mère en vrai? Non, mais vraiment, s'il te plaît. Ouais, c'est ça, c'est ça qui est bizarre. Le RP a pris le contrôle de ta vie. Bon, là, il sort en bas de chez lui, il dit je vais au PC, frère. Il a pas dit la tête. Tu peux me passer ton fils? Ouais, je te le passe, vas-y. Allô? Ça t'amuse de ramener ton père en vocal? Frère, vous êtes. Non, prenez un petit 2 ans le sang. Ok, bah attends. Non, stop. Là, c'est moi qui te parle. Ça t'amuse de déranger ton père pour des histoires comme ça? Réponds-moi. Il était pas occupé, il était en train d'écouter déjà. Mais j'en ai rien à foutre, pourquoi tu ramènes ton père? Parce que frère, j'ai rien à faire dans l'histoire. Je sais pas pourquoi l'autre il dit mon prénom. Donc en fait, là, t'escroques de l'argent à des joueurs, mais t'as rien à faire dans l'histoire. T'as 13 ans et t'arnaques de l'argent. J'arnaque pas d'argent. J'arnaque pas d'argent. Toi, tu vas être ban, c'est tout ce que tu auras. À la limite, tu m'aurais pas menti à moi. Tu aurais dit la vérité, tu aurais dit oui, j'ai la fait ça. La tête de ma grand-mère, je t'ai pas menti. Attends, regarde, moi-même, va voir. Ban, les gars, c'est pas une grande perte. Les gars, il l'a dit, l'autre, il voulait pas de ban. Attends, mais moi, clairement, c'est du pur mytho là. On est bien d'accord. Est-ce que vous voyez la même chose? Mais pour moi, dans cette vidéo, on est dans une vidéo. J'ai 45 ans, je suis témoin, les gars. Mais moi, j'en ai rien à faire. Moi, j'ai 20 ans, j'ai une parole. Je suis un homme. Ok, vas-y, repasse-moi ton père. Ok, tiens. Qu'est-ce que vous faites dans cette histoire, vous? Je suis parti de la troupe, on est des joueurs RP, hein, on est dans le même gang quoi. Mais je parle à JLM. Ouais, mais attends, mais il y a deux pères là? Non. Moi je suis père de famille, effectivement, oui. Ok, t'es le père de famille toi? Oui, moi, j'ai un fiston. T'es le père de qui du coup dans l'histoire? Mais mon fils il ne joue pas sur les serveurs RP, voyons, c'est non, pas de son âge. Il joue à RP, il joue avec nous, on est. Il est con, ouais, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes ici, vous, Balrog? Vous avez quoi dans l'histoire? Ah, parce qu'il est dans l'histoire, il est dans l'histoire. Oui, je suis dans l'histoire. Mais vous êtes un joueur GTA, vous? Oui, j'en ai été confirmé. Je suis sur d'autres serveurs RP également. Balrog, t'as quel âge? J'ai 45 ans, qu'est-ce qu'il me veut? T'as dit quoi? 45 ans. L'année de naissance. Je pourrais être ton père. Qu'il me raconte, lui? Je suis une grosse salope si c'est vrai, c'est bon. Complètement pour toi, il entend pas chier avec ça. Tu es complètement faux, pas que je veux parler. Si c'est pas toi, tu les bannes, c'est moi je les banne. Attends, je suis 75, je suis des années 70. Pourquoi tu veux des informations me concernant, c'est ça? Tu veux me stalker? Oui, c'est bien ça. Je veux des informations qui te concernent à toi. Je veux tout. Tu n'auras rien. On est là avant tout pour s'amuser, à jouer des personnages, c'est pas pour dévoiler mes informations privées. Donc tu as peur de dévoiler tes informations alors que t'es une personne mature, à ce que je vois. C'est pas toi tout à l'heure qui a dit que t'avais 45 ans? Oui, c'est ça, je suis père de famille. Qu'est-ce que tu vas faire pour être père? Donc t'es un enfant? Oui, j'ai un gosse et tu ne sauras rien sur lui. Il a quel âge? Et quel est le rapport? Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Je ne comprends pas. Parce que je veux juste voir. Je sais pas, là, moi ça part dans tous les sens. D'à quel âge alors? Dis-moi tes infos alors. Arrêtez de vous engouffrer. Donne-moi ta date de naissance. Donne-moi ton poids. Je veux savoir à quoi tu ressembles. Ah ouais? Vous pouvez arrêter de divaguer. T'es un coquin. Vous savez quoi, JLMC, je voudrais parler à ton père. On va se comprendre entre papa. Non. Tu passes pas ton père. Tu passes pas ton père. Ce mec est un troll. Voilà. Ah, de toute façon, je m'en suis aperçu. C'est pas une voix réelle. Ah ouais, c'est un troll. Comment ça, c'est pas une voix réelle? Ton fils, il t'a dérangé pour rien. Tu peux retourner où t'étais. Il a rien fait, ton fils. Ok, je t'en remercie. Je vais demander à mon propre fils de me sucer la bite. Tu vas demander à ton fils de te sucer?
Ah, non mais c'est très bien. Du coup c'est très bien. Le mec il me vole de l'argent et on le laisse partir comme ça quoi. Avec un pack, on le laisse partir avec un pack. Un arnaqueur comme ça, un enculé. Que t'es JLM si t'es un enculé. Pourquoi t'insultes? T'es un gros connard, voler de l'argent. Oui. Vas-y, moi je m'y un arnaqueur. Attendez. Je me ferai sucer par mon fils, je me penserai à toi JLM. Il vole des banques comme un petit enculé alors qu'il devait voler l'argent. Le mec il a pris 2 balles, on écoute lui là. Hey, j'ai pas envie de me faire arnaquer. Hey, c'est la Zermi ou quoi? Alors arrête. À l'argent aux abonnés, JLMC. Tu passes tes après-midi quoi, en fait, après les cours à jouer à Fortnite. Qu'est-ce que tu fous sur GTA, JLMC? Ouais, vas-y, continue. J'appelle. Je me rappelle, j'avais rien. J'avais rien. Ouais, gros, JLMC, est-ce que tu m'entends? Pourquoi tu me prends pour un cassos, gros? Bradley. Attends, voilà. Va te faire enlève avec tes V-Bugs, gros. T'as vu ta gueule, ce qui passe dans tout ça, la c'est masse. Bon, dansant la masse, ici vit le 666, frère. JLMC, t'as rien dans ton froc. Je prends mon Genzer sur GTA. Je te le pointe dans ta gueule. Allez, ta grand-mère d'ici. J'aimerais avoir les cordes de ton père. J'aimerais apprendre à le connaître, JLMC. Mais les mecs, depuis tout à l'heure, c'était un troll. Non, c'est pas un troll, rends l'argent, gros. C'est qui fait du piano, là? Rends l'argent aux abonnés, JLMC. Il veut devenir fou, le petit. Rends l'argent aux abonnés. Ne quitte pas, ne livre pas. Avant d'avoir donné de l'argent, dommage et intérêt. Rends l'argent aux abonnés. Ouais, continue. Amen ou Bradley, s'il vous plaît. Rends-nous l'argent. Wesh, moi Jim, je te remute. Vas-y, je remute tous, frère, c'est bon. J'ai en train de péter un câble. Oh là là, c'est un enfant perturbé. Va-t-il aller à l'école avec des MG? Aujourd'hui, je dois vous avouer. Ouais. Mon homosexualité. Ce c'est pas grave, frère. Y'a aucun souci. Alice Trescar en mes sneakers. On est bon tir, on est bon tir. Plus de 13 000 euros. J'adore la paire de Cortez Nike. Une fois j'ai déjà baisé un mec dans une cuisine. Non j'avoue, ils sont belles, voilà les Cortez, ils sont belles. J'ai percé les trois, les bulles d'air d'Air Max. Et j'ai introduit mon pénis à l'intérieur. De lécher les kiwis. Laissez les guignols de la vie de ma mère. On a un guignol avec nous. Je colle les étiquettes. Je colle les étiquettes des bananes sur mon clan. On va devoir décrocher, ne pas faire le show pour ces guignols. On a réussi ce qu'il fallait faire. Remercie le public d'avoir assisté à ça. Merci de devoir avoir la chatte à ta mère. Il rage. Franchement, j'applaudis. Bravo. Venir te fourrer ton cul. Merci au stalker qui a tout niqué. Petit fils de pute. Franchement, bravo. Franchement, c'est trop beau. Ta mère la peut. Ça y est, arrêtez-vous, ça y est. Liberté. Je fais le malin, je vais te bannir.